Salut tout le monde, c'est Mister Raph, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Donc voilà, vous êtes 72 abonnés mais c'est pas une vidéo pour 72 abonnés, je vous rassure. Par contre, je ferai une vidéo pour les 100 abonnés si on y arrive. Ben, j'espère. Mais là, ce n'est pas le sujet, nous allons faire un... vous avez été nombreux ces derniers temps à me poser des questions. Donc moi au début je me disais bon bah ça va. Mais là aujourd'hui vraiment c'était au moins 10 questions dans la journée. Donc je me suis dit autant faire un Mister Rafa répond à vos questions. Donc ici sur cette feuille j'ai noté toutes vos questions. Il y en a 17. Et on va commencer par la première question. Je sais pas pourquoi ça vous intéresse. Mais voilà. Où est-ce que tu achètes tes déguisements? Alors, faut savoir que les déguisements que j'ai, genre la perruque, je ne l'ai pas achetée. C'est juste que mon frère ne s'en servait plus. Parce que maintenant, il a 22 ans, donc... Et je lui ai demandé si je pouvais l'avoir. Il m'a dit oui. Et du coup, bah, j'ai eu ça. Mais je sais pas où est-ce que je l'ai acheté. Et les autres trucs, c'est d'autres maillots à moi que je mets pour faire que c'est pas la même personne. Des fois j'enlève mes lunettes, mais voilà, peut-être que je vais acheter des déguisements de plus bientôt, mais pour l'instant je n'ai pas encore acheté du déguisement. Quels sont tes mangas préférés? Dragon Ball Z, qui a bercé mon enfance de mes 6 ans à mes 10 ans à peu près, 10, 11 ans. Et depuis la sixième, One Piece. Voilà. Honnêtement, Dragon Ball Z, One Piece, c'est vraiment mes deux préférés. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas One Piece parce qu'on change beaucoup trop vite d'endroit. C'est vrai. Mais j'ai accroché. Je sais pas. Donc, les Dragon Ball, maintenant, ça fait longtemps que je les ai plus. Donc, ils sont dans des cartons. J'essaierai de les ressortir si je les retrouve parce qu'ils sont dans le grenier. Hein, j'allais pas vendre mes Dragon Ball, hein, vous êtes fous, hein. Jamais je vendrai mes Dragon Ball Z, hein. Jamais. Jamais je ne pourrais faire ça. Et mes One Piece, en revanche, ils sont encore là, dans un gros bordel. Je les ai pas tous, je vais vous dire jusqu'au combien je les ai. Je crois que c'est 47. Ouais. Donc voilà, sous un immense bordel. Attendez. Attendez. Donc voilà, sous un immense bordel, ils sont là. Tous. Il en manque quelques-uns, non? 46, oui, si, il manque le 47. Mais voilà. Tous mes One Piece sont encore là parce que ça fait... Donc voilà, les Dragon Ball, maintenant j'ai 14 ans. D'ailleurs, c'est une autre question, mais bon. Ah merde, la feuille. Les Dragon Ball, à mes 12 ans, je crois que je les ai mis dans des cartons. Et je sais où ils sont dans le grenier en plus, mais voilà, je me suis dit... J'hésitais vraiment à les ressortir pour cette vidéo. Je ne l'ai pas encore fait, dans une autre vidéo, ça s'appellera mes mangas préférés, je les ressortirai, ne vous inquiétez pas. Allez, nous allons passer à la troisième question. Tu mets combien de temps à faire les chroniques en moyenne? Alors, je vous ai dit que j'avais mis 2-3 jours pour faire celle sur les langues françaises. Et en moyenne, c'est un jour et demi. Je dirais. Là, c'était vraiment une longue chronique parce que fallait que je réfléchisse aux scènes au début. J'avais pas trop d'inspiration pour les scènes. Le texte, j'ai envie de dire, quand tu t'arrives à commencer, t'arrives à bien enchaîner, mais les scènes, des fois, faut trouver des trucs qui ont des rapports. Donc là, ça m'a vraiment pris du temps. Reims en Ligue 2 et tout ça, j'ai mis très peu de temps parce que j'avais pas de texte. L'école, j'ai mis beaucoup de temps. L'école, j'ai pas fait énormément de texte. Donc je dirais, allez, un jour et demi en moyenne. Quelle est ta matière préférée? Vous voulez vraiment le savoir? Le sport. Non, c'est vrai, j'aime bien d'autres matières, mais vraiment ma matière préférée, je dirais que c'est le sport. Tu étudies dans quel collège? Au collège Vieux-Port à Vitry-le-François. Combien de temps passes-tu à faire tes montages? Alors, pas énormément.
Je pourrais pas donner une heure précise. Après, ça dépend de la vidéo. Par exemple, dans certaines vidéos, je rajoute des trucs en plein milieu de la vidéo. Forcément, quand je mets juste une intro et une sortie, ça prend, allez, 5 minutes. Mais quand je rajoute des trucs, quand je rajoute de la musique et des textes dans les vidéos, là, ça peut prendre 10-15 minutes. Donc, je dirais 10 minutes en moyenne. Les montages, ça me prend pas énormément de temps. Quel âge as-tu? Je l'ai dit précédemment, j'ai 14 ans. Depuis le 28 mai. Tu vas à un entraînement au foot? Alors au début, j'avais du mal à comprendre cette question. Et en fait, je me suis dit, est-ce que je fais du foot en club? Alors, si c'est ça, oui. Oui. Enfin, faudra que j'y retourne d'ailleurs, parce que j'avais arrêté. Il y a 3 ans, je le faisais depuis 5-6 ans. J'ai arrêté. Et là, j'ai envie de reprendre cette année. Voilà. Est-ce que tu pourrais faire des vidéos avec tes parents ou tes frères? Non. Non, non, non et non. Première raison, mes parents ne sont pas au courant que je fais des vidéos. Deuxième raison, mon frère s'en bat les couilles. Non. Est-ce que tu... Ah merde, excusez-moi, mais ça commence pareil, la deuxième. Est-ce que tu aimes les mangas? Non, non, je déteste ça. Honnêtement, je déteste. Je dois avoir 100... 150 mangas, mais je déteste ça. Bah, j'avais pas fait de vidéo aussi. Est-ce que tu es en couple? Pourquoi cette question? Est-ce une fille qui a posé cette question? J'aurais dû marquer qui est-ce qui a... Oui. Je ne dirai pas depuis combien de temps. Parce que j'ai pas envie. Combien de temps passes-tu? Ah oui. Pour revenir à la dernière question, je vais essayer de faire une vidéo être en couple. Le problème, c'est que... Le truc bien, c'est que je le fasse avec ma copine. Oui! Mais pour ça, faut qu'elle veuille bien. Bon, j'essaye de la satisfaire. Je lui dis, ne t'inquiète, je te demanderai plus de faire des vidéos après celle-là. Ouais, ça vient pas trop. Combien de temps passes-tu sur les jeux vidéo en moyenne? Alors, ça dépend si vous parlez en école. Quand il y a école, allez, je dirais 2-3 heures. Ou pendant les vacances. Parce que là, non, 2 heures quand il y a école. À peu près. Parce que pendant les vacances, c'est entièrement différent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai joué de 8h30 à 1h. Après manger, j'ai été faire un foot jusque 4h. Et là, je rejoue et il est 18h. Donc, en moyenne, je sais pas. Je passe 5 heures, un peu plus que 5 heures en vacances et 2-3 heures quand il y a école. Alors, quel est ton film préféré? Alors, honnêtement, à cette question-là, j'ai longtemps réfléchi et puis je me suis dit, je vais pas me casser le cul à essayer de choisir un film. J'en ai énormément. Mais s'il y a des films, s'il y a une série de films que j'adore, c'est Fast and Furious. Honnêtement, c'est un de mes films préférés. Mais j'ai eu du mal à choisir entre ça et American Sniper. Mais disons, alors, Fast and Furious, c'est bien, hein, mais American Sniper, il y a quand même une longue histoire derrière. Donc je me suis dit... Je vais dire les deux. Donc Fast and Furious et American Sniper, peut-être un peu... Peut-être que American Sniper est quand même un peu au-dessus de Fast and Furious. Et toi, quel est ton type... quel type de joueur es-tu? Oui, parce que j'avais fait une vidéo où les différents... où il y a les différents types de joueurs sur un terrain. Et lui, mais... Et toi, quel type de joueur es-tu? Dur à dire. J'étais goal,
Et quand je m'apprenais un but et que c'était de ma faute, et même quand c'était pas de ma faute, sauf que quand c'était de ma faute, pas de ma faute, j'avais raison, mais quand c'était de ma faute, je faisais pareil, je gueulais sur les défenseurs. Je disais, mais vous savez pas défendre, donc je dirais le râleur. Quel est votre sport préféré? Le foot. Le foot. Attendez, je reviens, je vais aux toilettes. Mais l'avant-dernière question est un peu chelou, vous verrez. Tu t'es déjà masturbé ou pas encore? Quelle est cette question de pervers? Oui. Oui. Je ne dirai pas plus sur le sujet. Vous filmez avec quoi? Alors, ça dépend. Il m'avait laissé ça sur le live. Alors, sur les lives, je filme avec mon ordi. Et sur les vidéos comme ça, chronique, gaming et tout, je filme avec ma tablette. Voilà. Et ben, nous avons fini ces 17 questions. Bon, cette question un peu chelou, elle est ici. Je sais pas si vous voyez, tu t'es déjà masturbé ou pas encore? J'ai noté toutes les questions. Bon. Voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en reposer. Je ferai peut-être Mister Rafa répond à vos questions 2. Ça dépendra. Donc voilà les amis, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou un commentaire sympa. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!